On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, là je suis en compagnie de ma femme, Lydia. On va essayer de faire question-réponse. On va tourner un tour de rôle, en fait, on se posera des questions. Et puis, voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Voilà la première question. Quelle température fait-il en général en Équateur? Quelle température? Franchement, je dirais qu'il fait très chaud, super chaud. Parfois, il fait très humide, donc ça peut être assez chiant quand on n'a pas l'habitude. Mais sinon, en moyenne, il fait très chaud. Il peut y avoir des moments de pluie, comme là en ce moment, il y a pas mal de quelques jours de pluie, donc ça peut être vraiment fort, mais quoi qu'il en soit, il fait quand même chaud, donc même s'il pleut, c'est ça qui est un petit peu chiant, c'est que même s'il pleut, il fait quand même ultra chaud. Donc, après, il y a différentes zones aussi par contre, parce que sur la côte, il va faire plus chaud. Que par exemple dans la Sierra, donc au niveau des Andes, il fait un petit peu plus frais. Il y a plus de périodes de pluie, peu, au moins une fois par jour, côté montagne, côté des Andes, ce qu'on appelle la Sierra. Pas trop sur la côte, il n'y a pas de périodes de pluie comme ça, donc il y a des périodes un peu plus frais. Donc au niveau de la côte, on est assez tranquille à ce moment-là. Le soleil encore plus brûle avec les UV. Les UV, oui, c'est vrai, d'accord. Prochaine question, voilà, si vous vous intéressez. Avec quel budget tu peux vivre en Équateur? Moi, je fais 600 livres là. Parce que Tous les standings, si vous voulez un peu plus standing occidental, si avec tous les prix, donc vraiment, vous avez retraité, si vous avez des rentrées d'argent, si vous voulez un peu en location, etc. Vous avez tout simplement le business, mais pas ici, le coût tout simplement pour vous, sans problème, avec 800$, 600$, vous trouverez un appartement près de la course, en location, une maison. Si vous voulez venir en vacances, les hôtels, c'est super pas cher aussi, vous avez aussi tous les prix, mais généralement c'est pas cher. Prochaine question, le coût des soins en Équateur. Le coût des soins, je crois qu'avec un dentiste, franchement je conseille d'avoir une assurance, c'est pas cher une assurance de toute façon. L'assurance aussi, par contre, pour avoir la carte d'identité, etc. Ce qu'on voit, mais je vous appelle pour prendre l'assurance. Mais sinon, au niveau des coûts, franchement, la dentiste, elle a payé 20$. Voilà, les pétards de voilà, donc quelque chose qui va coûter en gros 70€ en France, c'est pas un petit peu plus, avec quand même des normes de qualité. Du coup, à savoir aussi, donc nous on est sur la côte, donc on va tous parler forcément du sujet sur la côte. Voilà, sûrement quand on ira aussi dans les autres secteurs, comme sur l'Amazonie ou soit plutôt dans les Andes directement, on va aller sur place, je pense que ce sera mieux. Typique en Équateur. Typique. C'est vraiment sur la côte. Bah, principalement de sur la côte, voilà, ça va être plus tout ce qui est séviché, donc c'est les coups de soupe, avec des fruits du poisson, il y a plein de séviches différents, des fromettes,
expérience de compensation, des séchés mixtes. Ça va être vraiment le plat typique sur la côte. Côté des Andes, il y a un plat qui est typique, ce que vous avez entendu, c'est le couille, que vous avez vu. C'est du cochon d'Inde, en fait. Le fond grillé, le fond rôti. Donc voilà, pour nous, ça va être plus les cebollados. Et dans le soupe, il y a la queue de poisson, les pâtes à cornes, le pain, du riz avec des crevettes, du riz, du poulet aussi. Donc voilà, il y a beaucoup aussi de plats aussi avec du poisson, parce qu'on a mis sur la côte. Il y a aussi du riz avec du poisson. Street food ouais, pas mal de street food aussi. Pas cher, mais voilà, ça va tous les budgets. Mais, en général, ça tourne autour des 3,50$. Entre 3,50$ à 7$ pour une personne. Donc voilà. Vous avez un petit street food aussi qui fait que des pains à 1$ en fait, sur notre ville. Donc voilà, avec 10€, vous pouvez manger pendant quelques jours en tout cas. Si vous mangez que le pain à 1$. Où est-ce que tu vas te ravitailler pour faire tes courses? Ils se ravitaillent. Donc il y a des supermarchés, des chaînes, comme le Supermercy, Tia. Vous avez le Commissariato aussi, donc ça va être comme le supermarché, comme Carrefour, pardon, petit, comme Intermarché. Voilà, donc vous trouvez un peu tout. Après, vous n'allez pas trouver 50 000 fromages, du saucisson, etc. Vous n'allez pas trouver 10 000 trucs. Ça peut arriver, mais vous allez trouver certains saucissons, certains fromages que vous trouvez même en France. Mais vous n'allez pas avoir énormément de choix. Avec les gâteaux, énormément de choix. Il y a ce qu'il faut. Par contre, voilà, c'est juste qu'il n'y a pas de surconsommation. Il n'y a pas 10 000 choix inutiles pour rien. Et c'est ce que je peux dire aussi, bah, c'est marqué le marché. Le marché, donc, ça ne coûte pas cher. Je ne sais pas combien de bananes, de 50 centimes, je ne sais pas combien de citron, de tomates, de fraises. De qualité. De qualité. Et, voilà, donc, il faut 1$ de ça, de 50 centimes de ça. Et partez avec des sacs de tomates. Puisque vous avez besoin de marché, vous pouvez tout trouver. Poisson, viande, légumes, des fruits exotiques, tout. C'est ça qui est aussi on alterne entre le marché et le poisson. Justement, je pense qu'on fera une vidéo, soit dans un marché, ou une expo, je peux en passer en commentaire. Donc, supermarché. Soit dans un supermarché ou dans un marché. Donc, on verra ça sur la notion prochaine vidéo. Donc voilà, du coup, c'est à mon tour. Du coup, pour les choses impensables, quelles sont les choses impensables qu'il y a ici, puis en France, je ne peux pas du tout. Les chiens. Je dirais en premier, les chiens. Bah, ça, comme je le disais, bah, l'histoire du chien, je ne sais pas si vous avez vu ma première vidéo. Je raconte une petite histoire qui m'est arrivée avec les chiens ici en Équateur. Vous pouvez faire un tour si vous les avez vu. Les chiens, pourquoi les chiens? Parce qu'ils sont tous devant le portail. Donc, je ne sais pas s'ils ont des maladies, je ne sais pas s'ils sont dangereux. Il y en a pas mal errants aussi. On pense à mon frère qu'il s'est récupéré par une SPA. Ici, ça, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Les chiens, ils font voir. Donc, il y a des chiens qui peuvent avoir un tête au casque pour certains. Attention. Nous, on peut savoir qu'il n'y avait pas des gens qui avaient peur des chiens de base. On aime les chiens, parfois, on a quel animal. En fait, c'est ici vraiment que la peur a commencé à se faire à partir du moment où tu t'attaquer en fait. Toujours de base, on n'a aucun problème avec les chiens. Par exemple, les taxis, en France, quoi. Ouais, voilà, les taxis, par exemple, ils slaloment. En France, ils ne sont pas trop ça, ils slaloment ici le côté de la route. Ah oui, c'est. Voilà, vous faites une petite prière avant de prendre le taxi. Parce que voilà, ça tourne par la droite, ça roule vite. C'est n'importe quoi, prendre l'habitude assez rapidement. Pas tous les taxis, mais la plupart. Et par contre, ce qui est bien, c'est que vous pouvez
les appeler, même s'il vous voit au loin, vous pouvez l'appeler juste en levant la main et il va venir, même si le taxi est à 100 mètres. Il y a le taxi vraiment continue toute la journée, toute la journée. Donc voilà, c'est pas cher. Vous pouvez faire une distance de 30 minutes, vous allez payer 5 dollars. Donc c'est vraiment pas cher. Il y a le bus aussi accessible. Pareil aussi, vous levez la main. Le bus vous voit à 100 mètres, ça vous n'avez pas choisi en France. Le bus va s'arrêter, voir il va klaxonner, voir si. Même s'il vous voit marcher, il va klaxonner pour voir si vous n'avez pas besoin qu'il s'arrête. Pareil, les bus peuvent vous arrêter. Où vous avez envie, vous pouvez demander de s'arrêter. Je ne sais pas comment en France. Par contre, le bus aussi pareil ici. Les têtes de la route, ils vont assez vite. Donc, je pense qu'il déploie Fast and Furious. Mais un bon point, c'est qu'il n'y a pas d'accident. Voilà, par contre, il n'y a pas d'accident. On n'a pas vu d'accident. Donc, ça, c'est un bon point. En vrai, après, je me suis habituée. Si c'est différent, mais c'est vraiment pas. Et ici, est-ce qu'il y a un hiver? Non. On arrive en hiver. Il y a deux hivers. Du coup. C'est ça, mais les températures restent assez. C'est stagnant. C'est stagnant. Peut-être un peu de pluie. Peut-être des mois où il souffle un peu plus. Non, là, c'est juste ce qu'on a ressenti pour l'instant. Prochaine question. Comment ça se passe quand on voyage avec des animaux? Ça, c'est une bonne question. Assurez-vous de faire le passeport pour les animaux. Les personnes nécessaires pour ces animaux, les documents qui ont besoin en fait. Donc, nous, après, on a pour loger, enfin, on a un chat et un oiseau. Donc, pour le chat, il n'y a pas besoin de. Enfin, pour l'oiseau, il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas besoin de grand chose en fait. Il n'y a pas besoin de vaccins ou de quoi que ce soit, ce type d'animaux. Et pour le chat, voilà, il faut le passeport, faire un vaccin, la plus, faire tout ça au vétérinaire. Pas de soucis. Donc voilà, essayer de prendre des. Si vous voyagez avec des animaux, essayer de prendre des choses pour calmer au mieux leur stress un peu pendant le voyage. Ils sont dans de bonnes conditions. Pour cacher les sprays, comme on dit. Les sprays. Voilà, c'est pas la fleur de bâche. On peut se voyager avec le chat, le chien peut-être. Le chien. Si, si, non. Ok, c'est bon. Et du coup, concernant toujours les animaux. Quand on arrive vers l'Équateur, est-ce que la nourriture, chat ou chien, ouais. Tu trouves ça ici? Ici, je trouve pas trop de. Enfin, on avait la création en fait, parce qu'on avait trouvé des pâtés, des nourritures pour les oiseaux, etc. Mais finalement, il y en a, c'est juste la crête en plus petite quantité et un petit peu plus cher qu'en France, je dirais. Mais sinon, vous pouvez trouver des pâtés, des croquettes, soit du chat, du chien, poussière, vous pouvez trouver des tours, des boulots, des jouets, etc. Donc, il y a un peu plus justement que je disais dans les sous-marins ici, les sous-marins. Pour la prochaine question, au niveau de. Est-ce que les gens sont amicaux, est-ce que c'est sympa, est-ce que. Les Équatoriens sont gentils. Ouais. Franchement, c'est facile de se faire des amis. Les gens sont amicaux, serviables. On a bien été reçus partout où on a été. On arrive en Équateur agréablement foutu. C'est vraiment sympa. Il n'y a aucun souci avec l'espace ici en fait. Vous pouvez aller bouffer au restaurant avec quelqu'un que vous avez rencontré la journée même, sans souci. C'est assez différent de ce que je pense. La faune et la fleur. Ça s'est diversifié, oiseaux, perroquets, colibris. Ça, il va pas mal aussi.
De scorpion, tu m'as déjà vu. Scorpion, ouais, enfin, justement hier, je me suis sur un scorpion en fait. Je me suis sur son bras. Effectivement, c'est petit, mais. C'est dangereux. Voilà, c'est vraiment joli. Des lézards. Des lézards, ça, non. Des cigouanes. Des cigouanes. Non, pas des lézards, parfois. Des singes, je vois bien. Voilà, le ciel, le sang, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est bien, c'est très beau. Ensuite, il y a des spots où vous pouvez admirer les baleines, les bonnes mers, les chocolatera, voilà, les tortues. Donc, c'est à la chocolatera. C'est près de, sur la côte, près de Santa Elena. C'est assez diversifié. C'est assez diversifié, c'est assez préservé en fait, c'est un lieu préservé. Il y a pas mal de lieux préservés sur une plateau, il faut aller sur un endroit. Ce qui est plus que braconnage, les bonnes tomates, après le même coup de France. Les fraises aussi, je crois qu'il y a des bonnes en haut. Tous les fruits exotiques que je vais retrouver rapide. Ça c'est cool. Si vous avez une fois que ce possible, vous allez s'en rendre. Prochaine question. Alors, quels sont les activités touristiques à faire? Nous, étant sur la côte, qu'est-ce que vous pouvez faire? La plongée sous-marine, vous pouvez faire du jet ski, vous pouvez tirer sur un bateau et vous êtes dans les airs en fait. Skydiving, je crois. Vous avez des bateaux? Voilà, vous avez des bateaux, vous avez plein d'activités en mer. Dans différents endroits après des voitures, vous aurez d'autres endroits, à la Lagos, plus de cascades, etc. Tout ça, c'est thermal, manche. Après, peut-être si vous allez expliquer de l'Amazonie, vous allez avoir d'autres activités aussi, d'autres activités plus spirituelles, voilà, la nature aussi. Est-ce que l'Équateur c'est touristique en général? Oui, il y a assez de touristes, il y a des stations de la mer à l'Équateur, ça y est, on n'arrive pas, c'est assez festif. Quand on n'est pas peu, on est au travail, on sait que tu peux être comme car ou un peu plus tôt, on n'a pas de car à l'Équateur. C'est une grande ville aussi, mais pas de malheur, pas de ville, ça c'est festif. Mais en tout cas, nous, du côté de la côte, il y a des endroits touristiques. Bon, il y a plus connu pour l'instant, pas de monde. Il n'y a pas trop de touristes, il y a quand même des Canadiens, des Américains, mais au niveau de l'Europe, il n'y a pas de grand monde en fait. Il n'y a pas de français français encore, des Canadiens, des Canadiens français. Américains, je crois, de pas français pour l'instant. Ensuite, une autre question, comment ça se passe au niveau des colis? Ça, c'est une bonne question, parce que dès qu'on est arrivé ici, on s'est dit sur Amazon, non, parce qu'on ne veut pas de boîte de lettres, il n'y a pas forcément de service postal, à part DHL, ça serait bien extrêmement cher. Pareil, son déminage, il vous ramène un coup de bière, ça coûte extrêmement cher. Et la voiture, c'est pas mal. Si vous voulez faire apporter la voiture, ça peut être aussi très cher. Après, c'est pas tous qui sont pas avec la voiture. Certains venus, certains endroits, ils doivent regarder le temps de partir, je pense. C'est pas comme en France, chacun est dans sa voiture, dans le bâtiment. Ouais, voilà, ici, c'est ce que tu me dis. Pas tout le monde, forcément. Pas tout le monde a forcément une boîte de lettres, donc
Bah, c'est tout ce qui est en ligne, que ce soit le colis, etc. C'est assez compliqué avec Amazon et tout ça. Vous oublié, ça va être DHL. DHL, bah, vous allez payer quand même assez cher. Selon la taille du colis, etc. Selon le poids, donc, vous pouvez voir. Parce que ça, ça en prend aussi avec le colis, donc les objets, ou seulement les choses, mais voilà, à savoir. Ça c'est pas si compliqué pour les échanges. Donc voilà. Ensuite, une question, est-ce que à 10 euros tu peux manger un objet pour 10 euros? Est-ce que c'est possible? Oui, comme on a dit précédemment, pour 1$ on peut manger. Ouais, pour 1$. Et après pour 2 en général dans le restaurant, ça peut nous entre 7 et 10$ au maximum, 3 maximum.3$ 3$ 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
y a moins de touristes, etc. C'est là que je me sens en impact. Mais sinon, voilà, le restaurant, le bar, etc. sont ouverts. Donc, ça va pas vraiment. Prochaine question. Qu'est-ce qu'il faut apporter ou pas apporter en étant là? Alors, je dirais qu'il ne faut pas apporter tout ce qui est manteau, grosse veste, le bidon, tout ça, je peux brûler. Tout ce qui est des grosses chaussures, vous n'avez pas du tout besoin. Apporter des shorts, voilà, apporter des shorts. Une casquette, chapeau, s'il vous plaît. Tout ce qui est protégé du soleil, tout ce qui est crème solaire, anti-moustique, ça, vous en avez besoin. Comme le soleil est assez proche aussi, il faut bien se protéger des UV, la crème solaire. Ouais, c'est pour ça que des fois, vous voyez les équatoriens avec des pulls. Ouais, des fois, il y a des super pulls, ils sont avec des pulls. Et après, c'est tout simplement pour se protéger des rayons du soleil, parce que sinon, ça va brûler carrément la peau. Mais sinon, après, qu'est-ce que vous portez aussi des fiches, pour la peinture, ouais, le chargeur. Parce que ici, vous n'allez pas trouver des adaptateurs forcément. Européenne. Américaine. Voilà, c'est des prises américaines. Donc, voilà, pensez à prendre ça au début parce que peut être avant de partir, parce que vous pouvez prendre l'été après une fois. Mais ici, voilà, tout ce que vous pouvez vous débarrasser, rendre avant, je dirais que c'est le mieux. Donc, voilà, vous ne prenez pas la tête, vous ramenez ce que vous avez besoin, mais voilà, il n'y a pas besoin de l'été en fait. Tout simplement ramener les choses essentielles et nécessaires. Donc, est-ce qu'il y a autre chose à penser de l'avion équateur? Voilà. Je pense à les Jackson, c'est un peu bizarre au début, mais c'est fait vite. Les Jackson, un peu pour le tour, de bois, donc vous avez entendu des fois klaxonner. Tout le champ en fait sur les taxis. Il dépasse, il klaxonne. Quand il s'arrête, il klaxonne. Quand la personne, il klaxonne. C'est typique à l'Amérique latine. Dernière question. De côté à côté, quoi. On va visiter. Yeah.